et veuves peuvent aussi pousser un ouf de soulagement, du moins pour celles qui bénéficient de l'appui de Business Enterprise Christ, entendez par là une structure composée des chrétiens qui ont opté de contribuer au développement du pays, notamment à travers des projets de microfinance. Désemparés et parfois abandonnés à leur propre sort, une frange de veuves vivant à Kinshasa peut désormais pousser un ouf de soulagement. Ce, grâce à l'appui de Business Price Enterprise, une structure des chrétiens et leaders des églises qui usent de leur bonne foi en donnant soit à crédit, soit à un prix au rabais, des ballons aux veuves en vue de leur aider à subvenir aux besoins. Alors, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est comme ce qu'on appelle en anglais « macro loan ». Donc en français, on appelle ça « microfinance ». Ben, on ne fait pas ça avec l'espèce d'argent, mais on fait ça avec les espèces des friperies qu'on a. On donne aux mamans, si tu le veux, là, qui n'ont pas d'argent, ils vont aller vendre ça. Et puis nous remettre quelques sommes d'argent et garder tout ce qu'il va vendre. Et puis après, on va encore lui donner. Et puis jusqu'à ce qu'il va devenir elle va commencer à faire ça. Business Enterprise Christ est une preuve éloquente qui illustre que les églises peuvent aussi se lancer dans les œuvres caritatives. Comme tout enfant de Dieu, nous sommes là pour aider le peuple de Dieu. C'est-à-dire que nous avons une vision de bâtir le royaume de Dieu avec les principes bibliques dont les business ici dans notre pays. C'est une véritable aubaine pour les bénéficiaires. Ce microfinancement m'aide beaucoup. Nous achetons la marchandise à moins cher et comme nous n'avons pas de moyens, nous prenons à crédit. C'est quand même bien le prix sont au rabais. C'est quand même bien le prix sont au rabais par rapport aux autres fournisseurs. Cependant, la vente n'est pas facile. Nous n'arrivons pas à écouler la marchandise comme il se doit. Nous nous débrouillons quand même quand on nous la livre à crédit. Bien d'autres initiatives sont annoncées par Business Enterprise Christ en vue de venir en aide aux personnes vulnérables. Business Enterprise Christ en vue de venir en aide aux plus démunis.